Déjà, je vais dire bonjour à YouTube. Bon, j'ai failli être hyper impoli. On commence par notre fille de 6 ans a pris le pouvoir à la maison. Yes, ça va me donner encore une fois une autre raison de pas aimer les enfants. Les enfants des autres, évidemment. Est-ce que vous êtes ready, mais les chers? En passant, je tiens juste à préciser à YouTube. J'ai plus l'habitude de vous le dire, mais visiblement, vous avez pris du retard. Vous vous abonnez à cette chaîne-là, là. Comme vous attendez quoi, au juste? Comme s'il vous plaît, pour l'Empire, tout ça. On est bientôt aux millions d'abonnés. On est plus une armée maintenant, là. C'est quand même fou. Donc, let's go. À 6 ans, Emmeline fait de la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Une dictatrice donc. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emmeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Maman va faire les courses toute seule. Non. Bah si. Bah non. Non. Ouais, t'as cru que t'étais qui? Emmeline déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. Si. Bah si, on y va. Quand tu veux pas rester. Ouais, c'était drôle au début, mais là... Quoi? Pour une fois. Non. Tu viens avec moi, j'ai dit. Elle décide tout, elle fait tout comme elle veut. J'ai aucune autorité sur elle. Attendez, vous dites-moi pas qu'il a obéi à ce qu'elle a demandé. Autant Emmeline hurle en permanence, autant ses deux sœurs plus âgées qu'elle, Pauline et Camille, sont très calmes. Là, Camille, elle reste là. Bah non, elle vient aussi. Bon, allez! Allez, Camille! Pourquoi? Camille, elle peut rester là aussi. C'est bien, impose ton autorité. That's it là, elle s'en bat les couilles. Elle a fait une tête genre en mode ouais elle est jeune là. Ah ouais non mais les, vous comprenez pas. Emmeline n'a aucune patience et ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable. Elle oh crie. Oh non 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 please. C'est genre d'enfant qui pleure dans l'avion. Mon dieu tuez-moi. Oh non ça c'est terrible. Non tu vas faire. Oh c'est terrible. Si, tu vas avec maman faire les courses. Et puis Camille, tout le monde y va. Vu que c'est toujours pareil. Moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre pleurer et crier. Alors, hein? Quand je lui dis de s'habiller, elle hurle. Quand je lui dis d'aller se coucher, elle hurle. Quand je lui dis d'aller à l'école, elle hurle. Quand je lui dis tu manges chaud, elle hurle. Quand elle dort, elle hurle. Madame, faut se remettre en question des fois. Attendez, les ré, honnêtement, là, je pense qu'on peut déjà établir nos hypothèses en tant que femme psychologue. Selon vous, quelle est la raison de tout ce drame autour de la famille? Père autoritaire, les parents pas d'autorité. C'est une très bonne théorie, les ré. C'est pas pour rien que je vous ai offert des diplômes. Vous êtes des... Oh, je suis trop fier de vous. Vous êtes des sangs de quilles, là. Comme méga, là. Comme d'habitude, la famille a fini par céder. Quoi? Il va finalement accompagner sa maman faire des courses. Espèce de tyran, quoi? Ses deux sœurs. Je vais faire les courses, elle est toujours derrière moi. Je mets le linge dans la machine à laver derrière moi. J'accroche mon linge, elle est derrière moi. Je lave par terre, elle est derrière moi. Donc, quand elle dort, je suis tranquille. Encore une fois, les reilles, vous pensez que c'est peut-être le père et la maman? Mais la maman, c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi, genre, elle est autant colleuse auprès de la mère? Comme je fais mon enquête, là, vous inquiétez pas. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emmeline devient une petite fille adorable. Oh! Des caprices devant des inconnus. Ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Two Face. Si t'es toute calme et à la maison t'es toute folle. Pourquoi? Tu sais pas. Alors moi, maman, je sais pas de quoi tu parles devant la boulangère là. Elle veut faire paraître sa mère, genre comme le problème là. Elle est trop forte. C'est un plan machiavélique que je dois lui donner. Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquet. Bon, qu'est-ce que vous mangez? Briquette. Une briquette, c'est pas un repas. Merci. Comme laisse, fais-lui confiance, elle s'y connaît là, je pense mieux que toi en nutrition. Bah, c'est vrai, c'est pas un repas. Hein. Une fois dans la cuisine, Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. En vrai, moi, les rêves, honnêtement, si j'avais un enfant qui voudrait juste manger un truc, je le laisserais bouffer un truc jusqu'à temps qu'il en ait marre. Jusqu'à temps qu'il en ait marre. Comme ouais, tu veux tomber dans le coma à cause du sucre? Tombe. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ses fameuses briquettes dans le frigo. Une briquette? Mais non, j'ai dit ma briquette comme ça. Waouh. J'ai dit ma briquette. Après, en dessert, tu l'auras. T'en auras une. Mais j'ai dit ma briquette comme d'hab, ok Elle parle comme si elle avait genre des gros problèmes dans la vie, là. Putain, je peux pas avoir mon lait au chocolat. C'est comme on dirait qu'elle a 45 ans dans le corps de l'enfant. Okay. Non mais oh. Putain. Couché si ça continue. Quand t'auras faim, tu me le diras. Ses parents, continuant de lui résister, oh, c'est une crackhead, là. Tire son arme favorite, les pleurs et les cris. Oh non.
Non, non, ok. Arrête. Une chose que Jacques ne supporte pas. Ah, moi non plus, j'aime pas. Le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver un peu trop même. Jacques, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens. Jacques, ça va? Il a tellement escalate quickly, là, what? Il y a eu zéro transition, il a balancé le truc à terre. Il a gaspillé la bouffe comme ça. J'attends vous démerder. Briquette a explosé. Ouais, voilà par terre cette fois-ci. Jacques est donc sorti marcher dans la rue. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emeline. Ses sœurs vont également très mal le vivre, une fois de plus. Pauline, j'ai chez mamie ce soir, j'appelle mamie. Non, tu vas pas chez mamie. Oh non. Lâche-moi. Pauline, viens. Les dégâts contre la terreau, là. Mais tout de suite, depuis ça fait combien de temps qu'elle est là, ça n'arrête pas de gueuler au soir, j'ai une tête comme ça. Désolé les rails. C'est parce que je pensais en fait qu'elle était mal à cause de la relation avec genre comme sa famille et sa sœur. En fait juste elle a la mal à la tête en fait, elle en a marre, je suis désolé. Oh, y a pas de son, je pense que le copyright a pris un hit là. Oh, attendez, je pense qu'on peut quand même s'imaginer la scène. Genre comme visiblement ils ont vraiment hâte que la jeune fille vienne dormir avec eux. Ah ouais, on peut comprendre l'expression son visage, tu vois. Qu'il en a marre. Fait le doublage. Merde, attendez, mais là je vais faire le doublage de trois personnes, attends. Papa, pousse-toi, je veux dormir avec maman. Mais toi, pousse-toi, genre quoi? Allez chérie, laisse-la dormir avec moi. Ok, là, quoi? Attends, je vais me laisser faire comme ça? Maman, dis-lui de se casser. Casse-toi, là, c'est bon. Ok, c'est bon, je me lève de mon propre lit, c'est ça? Eh ben, je suis soumis. Waouh, j'ai pas beaucoup d'autorité. Je vais dormir. Eh, je serais vraiment un fou doubleur. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour sa place. Jacques, lui, c'est dans tout, a donc aménagé une dans la chambre où il va passer la nuit. Ils ont donc pris contact avec Esther, une coach de vie exerçant dans la région. Alors, on a une concurrence à Super Nanny, Ray. Ok, bonjour madame. On va voir à quel point comme ça va être meilleur que Super Nanny. Un gros duel se passe, les Ray. C'est quelques jours plus tard qu'elle va venir leur rendre visite pour découvrir Emeline et l'étendue du problème. Enchantée. Emeline. Bonjour. Est-ce que tu viens, Emeline, vous dire bonjour? Est-ce que tu fais la bise? Oui. Oh. Mais t'as oublié qu'il y avait les caméras, tu peux pas jouer un double jeu avec eux. Elle fait genre, oh, c'est trop bien. Alors on est timide à ce que je vois. Comme souvent avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Je pense que je vais devenir son premier ennemi. Ensuite elle va essayer de devenir mon amie. Elle va essayer de me faire les yeux doux parce qu'elle va comprendre qu'elle ne pourra pas jouer avec moi. Et mon objectif, c'est qu'elle comprenne que je ne suis pas là, ni pour être son compagnon de jeu, son nouveau compagnon de jeu, mais plutôt celle qui va donner une nouvelle direction à ça. Le plan est détaillé. J'espère que ça a marché par contre. Là, si ça marche pas avec ce plan d'enfer... Emeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable. Regardez la tête de la réalisation. Se rendre compte que... C'est une ennemie en fait, elle. Genre. Là, elle va switch. Elle va se transformer en démon. Sa première réaction va donc être de... Contrecarrer mes plans, moi, non. Plus avoir à l'écouter. Silence radio, là. On reçoit plus aucune fréquence de cette dame. Fini. Un enfant, c'est simple. Vous lui donnez des limites. Si vous lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, crier, et ça me fait mal. Elle joue de votre angoisse. Elle sait que vous avez mal, elle sait que vous avez peur. Donc du coup, elle en profite. Comme j'adore ces constats, elles sont quand même intéressantes. Mais les Ray, comme je dois avoir votre version des faits, s'il vous plaît, ne dites pas goulag ou comme il faut la violence. Là, pour une fois, on va paraître bien. On est des gens civilisés. Comme quelle est la réelle solution? On peut lui restreindre des permissions, évidemment. Mais comment? Chambre à gaz. Putain! Faut pas céder, effectivement. Mais vous avez vu, elle avait l'air coriace en vrai, tu vois. Elle a l'air de pouvoir rester des heures en train de gueuler. Et c'est ça qui est assez troublant. Je pense qu'elle a pris trop ses aises. Pour un truc un peu drastique, quand même. Allez! Bonne course, c'est vite dit. Emeline n'a évidemment pas du tout l'intention. Oh, j'adore sa pose parce qu'elle est préparée à l'attaque, genre. C'est sa maman partir. Elle est prête à se battre. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Bah non, parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends. J'ai rien compris moi non plus. T'as l'habitude quand je parle comme ça, je parle plus mal. Imagine, tu économises toute ta vie pour acheter une maison et au final c'est eux tes voisins. Emeline hurle, une chose qui va mettre comme d'habitude Jacques hors de lui. On fait pas de course. J'ai mis de l'huile à la place de la margarine. Il n'y aura pas de course de fête.
J'arrête. Elle va vous enfermer dans... Oui, ils me sont manipulés, là. Et elle sait exactement vos réactions. Je vois que ça dégénère. Est-ce que c'est moi qui, à votre avis, est-ce que ça dégénère ou est-ce que c'est vous qui ne permettez pas que les choses changent? Moi, je veux pas la voir pleurer. Quoi qu'il arrive, elle... Mais monsieur, il faut changer, à un moment donné. Moi, je parle pas pleurer, mais je veux rien faire. Parce qu'elle est habituée à pleurer, Jacques. C'est inacceptable qu'une enfant de 6 ans commande et dirige une famille complète. Ça, c'est inacceptable. Et tout le monde est terrorisé. Terrorisé par ça, les rêves, on rappelle. Hein. Par ça. On ne parle pas comme ça. Ah, vous m'énervez. C'est elle, la tyrange. Comme c'est zéro impressionnant. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver totalement paralysée, incapable de quitter la maison. Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. Emmeline a 6 ans et doit faire sa rentrée scolaire cet après-midi. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Esther a cédé sur les courses, mais pour l'école, ça ne va pas être la même histoire. C'est vous qui décidez. Ah oui, on décide. Et c'est vous qui allez... Moi, je ne suis pas avec vous à ce moment-là. On est d'accord ? Donc à vous de jouer et à vous d'y aller. Je m'en vais et je reviens après. Esther s'est donc absentée de chez eux pour que ce ne soit pas elle qu'Emeline obéisse, mais à ses parents. Ah ok, genre, mais elle a donné aucune règle et aucune consigne. Comment elle va faire ? Comment ils vont faire ? Honnêtement, là, je croise les doigts. Please, les parents, faites preuve d'autorité. On croit en vous. Muriel et Jacques... Oh, il est stressé. ...face à leur fille, un peu effrayée. Comment faire pour la convaincre d'aller à l'école ? On va lui mettre son manteau. Ça n'augure rien de bon, les rêves, je pense. Non, 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 non. Oh non. Non, non, crie pas, crie pas, crie pas. Non, non, non. Mais écoute. Non, il est mort. C'est officiel, les rêves, je veux pas d'enfant. Non, non, mais non, non. Écoute, maman. Non. Écoute, ah. Moi, j'ai... Qu'est-ce que ça fait des trucs débiles en enfant, c'est incroyable. Ça devient fou, je vous jure. C'est ça, le côté primitif de l'humain. Regardez les dessins animés. Bon, moi je dis, il n'y aura pas de dessins animés. Vas-y. Non. Non, on ne mettra pas les dessins animés. Bah si. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur fille qui restera à la maison. Quoi? Attendez, elle a décidé de pas aller à l'école, lui. Comment appeler Super Nanny rendu là, genre quoi? Oh mais non! Mais non! Pas légal ça! Même essayer de lui imposer de faire des devoirs pour marquer le coup. Pour marquer le coup? Je vais te mettre wesh. Un modèle, tu vas recopier le modèle. Bah non! Si. Bah non! Il n'y aura pas de télévision. Pour apprendre à écrire. Bah non! Ah si. Mais écrire n'importe quoi, mais je vais te dire. Tu vas recopier dès que maman te donne. Non! Non! Bah si. Non! Et tu te... Pour la première fois, ses parents vont réussir à lui tenir tête. Pas de dessin animé pour Emmeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. Mais elle a quand même gagné, je suis pas satisfait honnêtement les rêves. Moi honnêtement, le fait qu'elle a gagné la bataille pour rester à la maison, c'est trop. Pour moi, ils ont perdu. Ce qui ne va pas plaire à la petite fille. Évidemment. Elle ne va pas du tout être coopérative. Oui, forcément. Voilà. Oh, t'es trop forte. Bah, c'est bien. C'est bien. Elle s'en bat les... Je suis pas arraché, je m'en fous. Hein. Voilà, c'est bien. Ça. Emmeline aura beau jeter son crayon ou pleurer, ses parents vont tenir bon. Ils n'allumeront pas la télé et la forceront à continuer à apprendre à lire et écrire. À 6 ans, elle a un caractère impossible, elle n'est pas sociable, donc elle va finir comment? C'est ça qui m'inquiète. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle aille à l'école. Ce passage à l'acte, vous venez avec moi. Tous, Emmeline, toi aussi. Non! Papa, plus jamais, ne dormira dans cette paillasse. Ça va être lourd, hein. Non, elle va pouvoir le porter, elle a envie de te faire plaisir. Ça. Et elle a envie de faire plaisir à maman. Encore une fois, on rappelle, c'est parce qu'il y a une étrangère à la maison. Ok, moi, honnêtement, je vous avoue, comme je connais le double visage de cette créature, moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a un plot twist là derrière. Qu'est-ce que tu nous caches là? Mais que va-t-il se passer ce soir? Je ne pense qu'à ça. Oh mon dieu. C'est le plus beau t-shirt ever. C'est sûr qu'il avait le seum, mais vraiment là, quand sa fille venait dans l'île. Là. Mais je pense qu'à ça, moi là, c'est pour ça qu'il était triste. On continue, on en est qu'au début. Jacques et Muriel dormiront pour la première fois depuis très longtemps ensemble et d'un sommeil paisible. Je suis pas si sûr de cette information. Le lendemain, pour qu'Emeline apprenne à faire des choses sans sa maman... Non mais le t-shirt veut tout dire aussi, là. ...préparer une surprise pour l'anniversaire de cette dernière. Et c'est Emeline elle-même qui va demander à sa mère de sortir de l'appartement. Allez, tu restes en bas. D'accord.
D'accord. Bah là, elle donne des ordres en fait. Emmeline aura encore sans doute des accès d'humeur à l'avenir, mais Jacques et Muriel sont fermement décidés désormais à tenir bon face à elle. Comme le disait Esther. Fermement, bien sûr. Démon, juste une petite fille de 6 ans qui a du caractère et à qui on n'a jamais donné de limite. Une petite fille qui adore ses parents. Oh, vous trouvez pas qu'ils ont rush la fin par contre? Ils sont tellement rush la fin. Ouais, on a réussi, nos techniques sont les meilleures. Comme je suis pas convaincu, honnêtement. Et même pas de genre une semaine après ou peu importe et tout. Bah écoutez, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous avez été aussi convaincu que moi? Je vous avoue que les techniques étaient pas comme... Ça se voit qu'ils ont pas un diplôme tel vous les rêvez. J'espère sincèrement que cette fille-là voit maintenant cette vidéo, elle se dit putain, genre j'étais jeune et con et tout là. Comme ça nous arrive tous de regarder des images de nous quand on était plus jeune et de se dire... Putain, là c'était pas ouf. Mais ça se peut que la fille elle est devenue calme et tout comme ses autres sœurs. Moi je crois en cette théorie. Ou peut-être que c'est rendu une dictatrice d'un pays quelconque. Ce qui serait franchement une théorie très plausible. Vu comment dès 6 ans elle avait une autorité. Yo, King Jong-un est en sueur là, il a jamais vu ça. Hop là. C'est ça qui est merveilleux avec les intros, c'est que je me permets de de mettre des gens au goulag. Genre toi tu vas au goulag, tu vas au goulag, parfait. Oh. Fermé, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse, je suis dans son très bon sens.